Chers enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 20 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 20 du dimanche 15 janvier 2023. Leçon 20 du dimanche 15 janvier 2023. Le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix. Prions. Père, s'il te plaît, apprends-moi à comprendre le principe du choix au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, apprends-moi à comprendre le principe du choix au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, en passage biblique, Genèse 13, 8 à 13. Genèse 13, 8 à 13. La Bible dit, Abraham dit à l'eau, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'eau se leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Un verset à mémoriser. Qui est tiré du livre de Deutéronome 30, 19. Et il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, 19. Ça, c'est le conseil de Dieu. En introduction pour nous, en introduction de la leçon, en termes simples, le choix est l'acte de choisir entre deux ou plusieurs possibilités. Le pouvoir du choix est la forte volonté de prendre une décision au milieu de plusieurs options. Bien que l'on pense généralement que l'homme est un être de choix, les Écritures établissent clairement que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Dans Josué 25, 15, la Bible dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Je prie que ce soit votre sort, que vous, enseignants, et votre maison, vos élèves et votre maison, vous servirez l'Éternel tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, nous vivons avec les conséquences des choix que nous faisons, qu'ils soient bons ou mauvais.
Il nous incombe donc de faire les choix, les bons choix, qui à leur tour déterminent le cours de notre vie. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ, en cette année 2023 et tous les jours de notre vie, nous donne la grâce de pouvoir faire de bons choix qui nous mèneront à bon port au nom de Jésus-Christ. Amen. L'objectif de la leçon, c'est d'enseigner aux élèves le pouvoir du choix. En objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de donner une définition simple du mot choix. En point B, de savoir ce qu'est le pouvoir du choix. En point C, de mentionner certains des choix courants que nous faisons et leurs conséquences. En point D, d'identifier certains facteurs qui peuvent influencer les choix. La revue du texte biblique, Genèse 13, 8 à 13, il incombe aux enseignants de pouvoir étudier ce passage en profondeur pour pouvoir retirer des révélations, recevoir des révélations qui se trouvent dans ce passage et pouvoir les enseigner aux élèves et avoir de l'avance et être au-dessus, au niveau de la compréhension de ces textes, au-dessus de leurs élèves. Que Dieu nous donne la grâce et la sagesse et la révélation de toutes les idées qui se trouvent dans ce passage biblique au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement du cours magistral. Dans cette leçon, cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole, engager tous les élèves dans la classe, du plus intelligent au moins intelligent, engagez-les pour qu'ils puissent dire et faire des choses qui leur permettront de pouvoir retenir 90% de ce qu'ils ont étudié après 3 jours, après 72 heures. Il y a deux grandes leçons, une grande ligne dans cette leçon. La grande ligne de la leçon 1 est intitulée « Les choix courants et leurs conséquences ». Les choix courants et leurs conséquences. En point A, il existe plusieurs choix que nous faisons dans la vie, avec les conséquences qui en découlent. Par exemple, en point 1, les choix que nous faisons en matière de nourriture et d'exercice physique influencent notre santé physique. Les choix que nous faisons en matière de nourriture que nous consommons et d'exercice physique que nous faisons influencent notre santé physique. Dans Proverbe 25, 16, la Bible dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Dans la vie, la modération, c'est ce qu'il faut dans la vie. Il faut être modéré en tout ce que vous faites, soit dans votre manger, dans votre boire, dans votre coucher et tout ça. En point 2, les choix que nous faisons concernant nos études influencent souvent notre carrière et notre profession. Les choix que nous faisons concernant nos études influencent souvent notre carrière et notre profession. Je suis un témoin de ce point numéro 2. Quand j'ai eu mon baccalauréat au lycée mixte de Mbalmayo au Cameroun, j'ai eu le baccalauréat et je suis allé à l'université de Yaoundé pour aller étudier le droit, mais le droit francophone. Mais quelque chose, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé ça. Tu veux apprendre le droit francophone pour revenir au Nigeria et exercer le droit francophone dans un pays anglophone. Voilà comment je me suis retrouvé à la faculté des lettres et sciences, lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé en Guayaquil. Donc, et maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais dans la traduction de l'anglais au français, de l'anglais à l'espagnol. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Les choix que nous faisons concernant nos études influencent souvent notre carrière. Je suis traducteur bilingue aujourd'hui et notre profession, je fais dans la profession de la traduction chrétienne, plus précisément. En point 3, les choix que nous faisons en réaction aux adversités de la vie affectent notre bien-être psychologique. Dans Proverbe 24, 10,
Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je prie que Dieu nous renforce, nous affermisse, que Dieu nous affermisse au jour de la détresse, au nom de Jésus-Christ. Cette année 2023 et tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. En point B, d'autres choix importants que nous faisons dans la vie comprennent, point 1, le choix de l'endroit où nous allons vivre, où nous allons nous installer, peut déterminer la paix ou l'inconfort, les bénédictions ou les difficultés que nous aurons. Dans Genèse 3, 13, 8 à 11, ça c'est notre passage biblique qui est récité plus haut. Dans Genèse 19, 13, la Bible dit, « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Que Dieu nous aide et que Dieu ne nous détruise pas et ne détruise pas où nous sommes, l'endroit où nous vivons, au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, le choix de la personne que nous épousons déterminera la félicité, bien le bonheur dont nous jouissons ou les coups que nous endurons. Ah, que Dieu nous aide et nous soit miséricordieux au nom de Jésus-Christ. Le choix de la personne que nous épousons déterminera la félicité ou bien le bonheur dont nous jouissons ou les coups que nous endurons. Je prie que la personne que vous avez épousée, que cette personne vous soit une source de bonheur, de félicité ou de jouissance au nom de Jésus-Christ. Si par hasard, vous êtes en train d'endurer les coups dans votre mariage, que le Seigneur vous soit miséricordieux en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Proverbe 18, 22, la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Je prie que votre mariage, que votre femme vous apporte le bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que vous obtenez la grâce de l'Éternel. Il y a d'autres passages bibliques, mais nous allons prendre. Il y a d'autres passages bibliques qui sont à propos, qui sont corrects. Dans le point 3, le choix des amis que nous gardons déterminera jusqu'où nous irons et la qualité de la vie que nous vivrons. Le choix des amis que nous gardons déterminera jusqu'où nous irons et la qualité de la vie que nous vivrons. Dans Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Que Dieu nous aide à pouvoir bien choisir nos amis au nom de Jésus-Christ, des bons amis, des amis pieux au nom de Jésus-Christ. En point 4, le choix que nous faisons d'être différent déterminera si nous nous démarquerons ou non de la foule. Dans Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans le verset 19, du même Daniel 1, verset 19, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Amen. Dans le point 5, le choix que nous faisons de servir Dieu ou non déterminera la récompense éternelle que nous obtiendrons. Le choix que nous faisons de servir Dieu ou non déterminera la récompense éternelle que nous obtiendrons. Dans le Josué 24:15, ça a été déjà dit plus haut. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
En Apocalypse 22, 11 à 12, Apocalypse 22, 11 à 12, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique entre encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je prie que Dieu vous aide et vous donne la grâce, la force, la puissance de pouvoir servir Dieu, de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir l'aimer et de pouvoir le servir et servir les hommes, tous les hommes, tout le monde autour de vous, au nom de Jésus-Christ, en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter de la manière dont un choix qu'ils ont fait dans le passé et a affecté ou affecte encore leur destinée. Les élèves doivent discuter de la manière dont un choix qu'ils ont fait dans le passé a affecté ou affecte encore leur destinée. Je prie que Dieu, que tout mauvais choix que vous avez fait dans le passé et qui affecte encore votre destinée, ce que ce choix soit changé pour le meilleur choix au nom de Jésus-Christ. Amen. En grand livre de leçon 2, les facteurs qui influent sur les choix. De nombreux facteurs influencent les choix que nous faisons dans la vie. Nous devons rechercher la bonne connaissance afin d'être bien informés. Dans Proverbe 18, 15, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. En point 1, la maîtrise de soi aidera à guider nos choix et à nous empêchera de prendre des décisions irrationnelles. La maîtrise de soi aidera à guider nos choix et nous empêchera de prendre des décisions irrationnelles. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En point 2, nous devons faire de bons plans et être guidés par une bonne vision avant de faire un choix. Ruth 3, 1 à 4. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. En point 3, plus important encore, les prières nous permettront de pénétrer dans la pensée de Dieu. Les prières nous permettront de pénétrer dans la pensée de Dieu. Dans le psaume 37, 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. En psaume 37, 23, la Bible dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. En point 4, inversement, l'orgueil, l'hypocrisie, le doute et les pensées négatives, entre autres, nous empêcheront de faire les bons choix. Je prie que Dieu déracine l'orgueil, l'hypocrisie, le doute, les pensées négatives, impies, pécheresses, dans de notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En Proverbe 1, 2,
Proverbe 1, 2, la Bible dit, car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ils continueront à échouer en ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 5, nous devons nous efforcer d'avoir toujours le bon état d'esprit. Tout le temps, nous devons nous efforcer d'avoir toujours le bon état d'esprit tout le temps. En Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu garde notre cœur cette année, jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter des facteurs qui les ont aidés à faire des choix majeurs récemment. En conclusion, si nous avons fait un mauvais choix dans le passé, il est temps de nous pardonner et d'avancer dans la vie en faisant les corrections nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves de dresser une liste des choix courants auxquels toute personne est confrontée au cours de sa vie. En prière de clôture, prions. Père, aide-moi à faire des choix pieux au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à faire des choix pieux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionnez 5 façons dont vos choix vous ont affecté positivement ou négativement. Mentionnez 5 façons dont vos choix vous ont affecté positivement ou négativement. Je prie que tous les jours de votre vie, que vous fassiez de bons choix, des choix pieux, et que cela se reflète dans la qualité de votre vie spirituelle, mentale, morale, matérielle, financière, ministérielle, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à tantôt. Bonne étude, bonne écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.